Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Alterity Experience. On est sur Xbox Series X. Et alors, je remercie tout de suite le studio, l'éditeur, tout ça qui m'ont envoyé le code du jeu. Donc, qu'on va faire aujourd'hui. Alors, c'est un jeu, je comprenais pas trop. Mais c'est un jeu qui est sorti sur Steam en 2020, je crois 2020-2021. Et qui est sorti, je crois, il me semble, en 2022. Sur Switch et sur les consoles de Sony, donc PS4, PS5, je l'ai vu sur le store, hein. Et donc j'avais pas trop compris au début, et en fait je me suis rendu compte, après quelques explications et quelques traductions que j'avais mal faites, que le jeu n'était pas sorti sur les consoles Microsoft, et donc il arrive le 17 mars sur le store Xbox. Et donc aujourd'hui on est sur Xbox Series X, et donc ils m'ont gentiment envoyé un code du jeu. Donc vous voyez, Onitron Studio. Je n'ai aucune idée de ce que c'est comme jeu. J'ai regardé juste une petite Taking over the vidéo, family un ranch was trailer, the et best c'est of our tout. decisions. Donc on va regarder Betty ce and the kids are happy petit here. trailer de lancement The Northern et on se retrouve California air après. does us good. But it's been a few weeks since strange things started happening in the county. People say they've been seeing lights in the sky at night. I didn't notice these phenomena myself. Even though the people here are trustworthy, I have a hard time believing them. At least, I had a hard time believing them until today. Our corn plants have been altered by a purple substance. At first, I didn't make the connection with what is happening in the area. Other farmers around us are facing the same problem. Almost all the harvest of the county is ruined. Betty and the kids are going to the movie tonight. I'm gonna take the opportunity to study this purple substance. I hope it's not toxic. Bon. Eh ben voyons ça. Tranquillement. Alors, R pour observer. Qu'est-ce qu'il faut que j'observe? Yes, honey. Alors, il n'y a pas d'option graphique, de mode résolution ou performance, etc. Oui. On attend qu'elle parte, d'accord. L'instant, j'ai pas l'impression de pouvoir faire autre chose. Ah. Alors, depuis plusieurs semaines, le parc national de Firefly, situé dans le comté de Lucie, dans le nord de l'État de Californie, est l'épicentre de phénomènes inexpliqués. En effet, des habitants du comté affirment apercevoir presque toutes les nuits des lumières violettes danser dans le ciel. Nouveau terrain de jeu des amateurs d'ufologie. Aussitôt les premiers témoignages publiés sur les réseaux sociaux des ufologues et autres curieux venus des quatre coins du pays ont commencé à affluer dans le parc national de Firefly. Douglas W. Hunter, on va le faire en anglais, hein, le shérif du comté de Lucie et ses subordonnés patrouillent de jour comme de nuit dans le parc et verbalisent toute personne y rôdant sans autorisation. On a 4 pages. Si les lumières violettes semblent inoffensives, une mystérieuse substance violette fluorescente épandue sur des dizaines d'hectares de plusieurs plantations de la région inquiète. De nombreux fermiers se retrouvent avec des tonnes de futures récoltes invendables parce qu'impropres à la consommation. Des analyses sont en cours. Aucun lien n'a été établi avec le phénomène des lumières violettes. Enfin, les gars, lumière violette, substance violette sur les plantes, je serais vous quand même, je ferai un peu le lien. Alors, quand des cas d'ovnis sont signalés, les militaires sont presque toujours pointés du doigt par la population. Les complotistes s'en donnent souvent à cœur joie sur les réseaux sociaux en dénonçant de supposés tests de technologies exotiques. Gloria Cooper, porte-parole de l'US Air Force, a déclaré que les phénomènes relatés n'avaient aucun lien avec les activités militaires ayant cours dans la région. Pour l'heure, le mystère reste entier. Bon. Alors, vous entendez sûrement gratter à la porte. Ce n'est pas moi. Damn, I'm feeling
Il est là-bas. How does this app work? Okay. Okay. It's closing. Ouais, il a tout en domotique. Pointé. And it's opening. Easy. Bon, au début, il va nous demander 2-3 bricoles comme ça, j'imagine. She forgot her phone again. What? Non, là, c'est un truc chelou, violet. What the hell? I prefer to stay inside. Je sais pas si je serais allé dehors, moi. Si j'aurais ouvert une fenêtre ou... I prefer to stay inside. Ouais, ouais. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Ah, faut que je trouve la clé. Attendez, on va pas... On va essayer de trouver la clé quand même et d'avancer un petit peu. On voit rien. C'est quoi ce bureau où il fait noir? Où est donc cette foutue clé? Le gars, quand même, il s'enferme dans son bureau, il sait pas où il pose la clé. C'est pas un peu les premiers signes d'une dégénérescence neuronale, ça? Par hasard? Quand tu t'enfermes dans une pièce et que tu sais pas où t'as foutu la clé? Allez, là-bas. Donc j'ai... aucune idée de ce que c'est comme type de jeu, hein, qu'on soit bien d'accord. I don't hear him anymore. I hope Spark is okay. Bon, c'est pas super fluide par contre. Ça m'angoisse un petit peu l'affaire là. Moi j'adore tout ce qui est paranormal et tout, j'aime beaucoup. Regardez ce genre de vidéo, ce genre de truc. Mais être acteur du bordel dans un jeu, j'aime un peu moins. Vous voyez ? Ah, faut trouver des clés partout. Putain. La clé doit être au sous-sol. Ok. Je voudrais pas dire, mais il y a des lumières qui clignotent quand même, hein. C'est pas vraiment normal. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! What was that? J'ai pas bien compris ce qui m'arrivait. On va se retrouver bloqué hyper rapidement parce que j'arrive pas à trouver la clé déjà. Est-ce qu'on a un... genre un menu, un inventaire, non? Si le seul inventaire qu'on ait, c'est ça.
On va regarder par terre, hein, puisque tout à l'heure il fallait s'accroupir pour regarder par terre. Là, on peut pas ouvrir les tiroirs. Il y a du clipping par contre, hein. D'accord. En fait, ça se trouve, je tourne en rond depuis tout à l'heure, mais... Ok. Bon. Bah, mon pote, il se passe des trucs vraiment chelous, hein. J'ose plus avancer nulle part. What do you want from me? Je crois qu'ils veulent me niquer, hein. Je sais pas ce que c'est, mais... Ça va pas me faire du bien, visiblement. Ça, c'est l'ascenseur. C'est où? En fait, toutes les chambres sont fermées à clé. Je sais pas ce qui se passe si je ferme pas à temps. Je sais pas. Après, on va pas faire une trop grande vidéo parce que je vous avoue, je connais pas la durée de vie, je sais pas trop ce qui se passe. En vrai, on est vraiment dans de la totale découverte et comme c'est ce genre de jeu un peu ovni ou. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire et... Merde, il y en a une autre là. Bah du coup, je sais pas trop. Réalité, donc succès déverrouillé. Ça tourne là, je les entends. Y a plus de télé, y a plus rien. Ils me foutent la pression, c'est con. C'est tout ce que je déteste là. Tout ce que je déteste. Bon.
On en est à combien là de vidéos? Parce que je voudrais pas trop en montrer non plus. Et puis surtout là, c'est vraiment. Tout ce que j'aime pas. J'ai la pression. C'est la porte du bureau, oui. Salle de bain. Et une chambre. Il y a des bruits chelous en plus. D'avancer dans les couloirs comme ça me fait penser à. C'était quoi? Pity. La démo là. Après, il y a des gens qui vendaient la Play avec la démo une blinde. Parce qu'elle était plus dispo nulle part. Bon, écoutez, on va pas aller plus loin. Je vais pas vous en montrer plus. Parce que je sais pas si la durée de vie est très très longue et tout ça. Donc, et puis, c'est visiblement un truc à ambiance. Un truc. Donc, c'était vraiment pour vous montrer vite fait. Ce que c'est. Bah ouais, mais j'ai regardé plusieurs fois, non? J'ai voulu les bouger de terre, ça me les a pas. Moi, je vois pas de clé ici, hein. Il y a pas mal de trucs à lire. Mais non, la clé elle est pas sous les coussins. Bon, on va pas aller plus loin. Écoutez, je vous laisserai découvrir ça de votre côté si ça vous intéresse. Je crois que c'est pas vendu très très cher, je vais pas vous mentir du coup, comme ils m'ont envoyé le code, j'ai pas vu le prix dans le store, j'ai pas eu le temps. Mais je crois que c'est moins de 20 euros. Donc, je vous laisse découvrir ça, je vous remercie. On se retrouve dans quelques jours pour WWE. On fera peut-être pas une vidéo découverte, parce qu'il y a toujours énormément de trucs dans les menus à voir et tout. Donc, soit on se concentrera vraiment sur du gameplay... Soit on fera le tour des menus, je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais en tout cas, il y aura des trucs dessus, ça c'est sûr. Il y aura au moins une vidéo. J'arriverai sûrement pas à tout vous montrer, mais j'essaierai de vous en montrer un maximum. Donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.